Yo, salut, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, on déballe une iPad Pro envoyée très gentiment par Interactive, qui est Apple Premium Reseller à Reims, Troyes et Roissy. Merci beaucoup Interactive de me donner l'occasion de faire cette vidéo. Le colis a été fait par une personne que je ne mentionnerai pas mais qui se reconnaîtra et il est donc totalement dégueulasse. Et c'est un vrai faux déballage puisqu'apparemment ça a déjà été ouvert par Interactive pour bien attester que c'était le colis qu'il fallait m'envoyer, à savoir un iPad Pro 128Go cellulaire. Donc le carton est dégueulasse, il y a mon adresse de l'autre côté, c'est pour ça que je ne le tourne pas. Je propose qu'on ouvre ceci rapidement. À l'intérieur de ce petit carton, on a l'iPad Pro. Ça s'apparente à un carton de MacBook. Si c'est le carton officiel, c'est vraiment marrant et ça a l'air d'être le carton officiel. Donc ça, on dégage. On a ici notre iPad Pro. Je jette tout ceci, la facture dedans, vous en foutez. Et voilà, en termes de taille, on s'apparente à nouveau à une taille de MacBook. J'aimerais bien reculer un petit peu histoire que vous ayez une vue un peu plus d'ensemble. Désolé pour le bordel autour. Et bien on ouvre. Il n'y a pas à tortiller du cul, pocher droit, clac, ouverture ici. Ça marche pas. Nya. Il va falloir que j'affûte vraiment le bout de ce couteau. Clac, le plastique, on s'en fout. Ta-ta-ta. Ça, on jette. Et l'intérieur, donc c'est un nouveau produit, de même que l'Apple Watch, donc il risque d'y avoir des surprises. Le petit plastique est tout duveteux. Putain, c'est marrant. Le premier plastique est tout duveteux, contrairement au plastique précédent. Ça a l'air d'être du plastique recyclé, ça m'étonnerait pas. Et j'ai vraiment l'impression de déballer en fait un ordinateur, sauf qu'il n'y aurait que l'écran de l'ordinateur. En fait, en termes de taille, c'est à peu près la même chose. J'ai un MacBook 13 pouces ici pour vous montrer. Et bien c'est sensiblement c'est un chouille plus haut, mais vraiment de que dalle. On va fermer le MacBook, clac, ça sera plus simple, et mettre l'iPad dessus. Vous voyez, quand je vous dis que j'ai l'impression de déballer un écran de MacBook, c'est vraiment ça. En termes de largeur, c'est à peu près la même limonade. Clac, si j'aligne, ça décale un petit peu là-bas, mais pas de beaucoup. Et en termes de longueur, si j'aligne là, on est un peu plus court, on est un peu plus haut et un peu moins large. Le MacBook, du coup, on s'en fout, c'est pas son jour de gloire. L'iPad Pro arrive avec un câble enroulé tout proprement, un câble Lightning, le même délire que pour les câbles d'Apple Watch, tout en rond, qui va rester là, puisque des câbles Lightning, comme vous le voyez sur le côté gauche, ben, la station de charge a ce qu'il faut, des câbles en cuir, etc. Bon bref, hop, ici on a le petit papier, le petit guide, et on a un chargeur réputé rapide. Combien que c'est que qu'est-ce qu'il fait ? 2,4 ampères, donc vous ne le voyez pas mais vous me faites confiance. C'est donc un chargeur rapide, de même que le chargeur en cuir qu'il y a sur la station de charge, juste ici. Alors à quoi ressemble la suite de cet iPad Pro en termes de déballage ? En termes de taille, par rapport à une tête de personne, ça ressemble à ça. Je vous ai dit déjà que c'était la même taille que l'écran d'un MacBook Pro 13 pouces. On va pas non plus traîner 15 ans. Ça reste un déballage, donc je vois pas trop ce que j'ai à vous montrer dessus. Je peux vous dire ce qui me dérange sur cet iPad Pro, le temps qu'elle démarre, le temps qu'elle s'allume. Rien qu'au début, c'est Touch ID 1 qui est dessus. Touch ID 1, c'est la petite mesquinerie. Quand on sait que sur les iPhone 6S, on a mis du Touch ID 2, qui est beaucoup plus rapide que le Touch ID 1. Et là, de mettre du 1, ben on se dit que sur un truc qui vaut 1200 et quelques euros, à partir de 900 euros, je crois que commence l'iPad. Bref, on est à 4 chiffres sur ce bestiole-là, à moyenne. Et d'avoir du Touch ID 1, c'est juste mesquin pour un truc surtout qui a vocation à être haut de gamme de tablette et à remplacer potentiellement un ordinateur. C'est mesquin. En termes de taille de prise en main, ça marque vraiment les traces de doigts, il n'y a pas à chier. Et on a de chaque côté donc les petits haut-parleurs. Ça, c'est la nouveauté du jour. On a des haut-parleurs en bas, on en avait, mais on a des haut-parleurs également en haut. Et l'iPad va savoir intelligemment, je vais la démarrer pendant ce temps, et l'iPad va savoir intelligemment envoyer les hautes fréquences, donc aigu-médium, sur la partie supérieure. Quand vous tenez l'iPad comme ça, les haut-parleurs du haut seront aigu-médium, les haut-parleurs du bas feront du grave. Les haut-parleurs prennent à peu près toute cette place-là sur le bas. Pareil ici, pareil, enfin c'est les quatre mêmes, ce qui est d'autant de perdu en batterie. Sur les modèles précédents, les haut-parleurs étaient de moins bonne qualité, mais on avait plus de batterie, la batterie remplissait réellement tout l'iPad. Et putain, c'est un grand écran. Ok, j'avais absolument pas anticipé que l'écran serait si grand, c'est juste trop bien. J'ai l'impression d'avoir une feuille devant moi en fait. J'ai vraiment l'impression d'avoir un bloc, d'avoir une feuille, c'est ultra défini, c'est fabuleux. Langage anglais, je suis en France, oui. Je n'ai pas de carte SIM pour le moment, je mettrai une carte SIM par la suite, début du mois prochain. Network, on va se connecter à mon petit network à moi. Est-ce que ça se rotationne? Oui, non, il n'y a
plus de boutons. Il y a les trois petits connecteurs qui vous permettent de connecter le clavier en dessous, le clavier intelligent et tous les autres accessoires. Logitech en a fait un qui est quand même pas dégueulasse. Celui d'Apple est limité en QWERTY à 160 et quelques euros, je crois, le Bestio. C'est un peu mesquin, hein, je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc on va rester comme ça, c'est pas grave, on va taper ça. Et ensuite, c'est de la configuration. After a clean, new settings, ok, hop. Ça reste de la configuration, on active les location services, on configure Touch ID. L'écran est vraiment cool, vraiment cool. J'ai allumé une lumière derrière pour voir ce que ça donne en termes de reflet. Autant sur mon iMac, ça me fait vraiment chier d'avoir une lumière derrière. Autant là-dessus, c'est assez confortable. C'est un des points forts de l'iPad par rapport à un MacBook, puisque vous allez pas tarder à me demander pourquoi j'ai pris un iPad et pas un MacBook. C'est que c'est juste utilisable en extérieur. Alors qu'un MacBook, du moment qu'il y a de la luminosité, juste de la luminosité, même pas du soleil, c'est inutilisable. La lumière au maximum ne suffit pas. L'iMac, oui, sur le MacBook, non, pour des raisons d'économie d'énergie, je suppose, mais il faudrait vraiment penser à faire des écrans un petit peu comme ceux des iPads, laminés, de manière à ce qu'on ne voit pas tous les reflets, etc., et qu'on puisse continuer de l'utiliser quand il fait soleil. Je suis vraiment sur le cul de la qualité de cet écran. L'écran saute vraiment aux yeux, en fait. C'est un nouveau device, donc j'ai l'air peut-être très con en faisant cette vidéo, et si tant est que c'était que cette vidéo, ça serait déjà bien. Mais l'écran saute vraiment aux yeux. On a l'impression de tenir un écran, en fait, que le reste, c'est juste les... comme un clipboard, vous savez, les trucs sur lesquels on vient clipser ces feuilles-là, les petits supports en carton. C'est exactement la même sensation. J'ai l'impression de tenir un truc en carton et d'avoir un écran posé dessus, en fait. C'est gigantesque, c'est très bien, ça va être absolument fabuleux pour lire. Je finis de configurer ça et je reviens vers vous dans pas longtemps. La question que je me posais et dont j'ai la réponse immédiatement en ouvrant Netflix, c'est que comment, quand on est passé de l'iPhone 4, 4S à l'iPhone 5, l'écran a augmenté et il a fallu que les développeurs mettent à jour leurs applications. La petite question que je me posais, c'est que sur iPhone, qui est la plateforme la plus populaire d'Apple, ça a mis un petit peu de temps pour que certains développeurs mettent à jour leur application. Certains ne l'ont toujours pas compris pour les iPhone 6, par exemple PayPal n'est toujours pas à jour, si je dis pas de bêtises. NetAtmos s'est mis à jour très récemment, croire que les gens ont d'autres priorités, ils font des applications, mais c'est pas leur délire. Sur iPad Pro, elle est sortie là, hein. On reste un peu plus tolérant par contre pour l'iPad Pro, c'est Netflix. Alors Netflix, si jamais vous ne voyez pas les touches pour taper quelque chose, c'est bien parce que c'est les mêmes touches que pour un iPad, mais sur un iPad Pro. Donc ça fait vraiment très grand, et si vous voulez venir rechercher quelque chose, il n'y a aucun souci, je pense que vous ne pouvez pas louper les touches. En dehors de ça, je voulais mettre une application pour voir ce que ça donnait, etc. J'ai installé d'autres petites conneries. C'est très 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 agréable à utiliser. Je sais pas quoi vous dire de plus, en fait. J'ai mis Netflix manière de voir, si l'application était mise à jour, elle l'est pas. D'autres le sont, d'autres l'ont très bien fait. Il faudrait pouvoir faire le mumuse avec l'Apple Pencil, mais je sais pas dessiner, donc c'est pas moi qui vous ferai un test. C'est quelque chose qui est vraiment vraiment très sympa, très, enfin, pour tout ce que je vais en faire, ça va être vraiment ouf. J'ai pas encore ouvert un navigateur. J'ai pas encore ouvert un navigateur. On va aller sur locan.fr, disais-je. Clac. Super, c'est un suggested website dans iOS, j'adore. Et du coup, on a un site web en pleine taille, et ça c'est vraiment cool, avec un joli bug d'affichage, bravo. Si on ouvre par exemple l'article sur le Tulle, on a un site web qui est en pleine taille, et je sais pas ce qui se passe, qui ne charge pas tout. J'ai un petit bug sur mon site web. Et maintenant que ça va mieux, on a une interface qui est quand même tellement plus sympa, quoi, pour lire un truc. Alors, par contre, la rotation n'est pas gérée, chez moi en tout cas, donc il faut faire un refresh de page à chaque fois que vous changez la page et que vous changez du coup le format, ce qui est logique. C'est juste trop bien. C'est juste trop bien. Si en plus on passe par exemple en mode lecture, mais vous constaterez que quand les personnes font des bons sites web, qu'on soit en mode lecture ou pas, ça change vraiment pas trop grand chose. Limite, c'est mieux. Quand c'est pas en mode lecture, la police est plus sympa. C'est cool. Vraiment, j'ai l'impression de tenir un écran dans les mains, mais juste un écran, en fait, pas qui est rien d'autre, qui est pas toute la puissance qu'il y a dedans. Je vous fais pas plus long, je vous embête pas davantage. Je remercie encore une fois Interactif, qui est l'Apple Premium Reseller, qui m'a fourni cet iPad pour que je puisse vous en faire un test. Merci encore, les petits gars, vraiment beaucoup. Je vous referai un article un petit peu plus tard, style dans une semaine, pour vous donner mes impressions sur l'iPad Pro une semaine plus tard. Parce que là, je viens juste de l'installer, de configurer quelques trucs dessus. C'est tout beau, c'est tout neuf. À part Touch ID, qui est vraiment le bouton par rapport au bouton de l'iPhone 6S, j'ai un peu du mal.
Mais après, l'écran est juste oufissime. Il me tarde vraiment de jouer avec, d'envoyer un petit peu de son. C'est pour ça que j'avais installé Netflix. C'était pour voir ce que donnait le son. Donc, planque-toi. Clac. Du coup, je vous garde 2 secondes de plus. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Hier soir, on a regardé Moneyball. Tac, si tu veux bien. Play. Netflix avance un peu et... Hey, anything we're doing is, Ça vibre. we're gonna teach Le son est you. tellement Wait, fort en fait que ça vibre. what about Mais le you son listen to Colin est Scott? plus qualitatif que sur un MacBook Pro 13 pouces, aussi bon, je dirais, que sur un MacBook tout court. Le son est plus rond, plus riche en fait. C'est vraiment, 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 vraiment cool. Que du bon, que du plus, que des trucs trop trop cool. Je vous fais des gros bisous, c'était Locan pour Locan.fr. Merci encore une fois à Interactive, Apple Premium, Reseller, à Roissy en l'occurrence, mais à Troyes et à Rennes, ils sont également Reims. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Merci. Si cet article vous a plu, partagez-le, blablabla. Ciao, ciao!